Et là, ça me parle pas de là, monsieur, les Chris là. Et là, je fin de temps de monsieur, mon seul bagage dit tête, moi. Mais il y a pas vous dire, mon salut, mesdames, messieurs. Vous parlez tant de mes frères et sœurs, amis, ça, Chris là, Abdino Voice. Qui j'en mouche ça, descend, mon Dieu, dans le ciel là, déposer la terre, il fait conscience, mon Dieu. C'est comme quoi, monsieur, taille cheveux, mon Dieu, il dit. Haïti pas carré comme ça. Mesdames, messieurs, pays d'Haïti mélangé, bagaille compliqué. Et divers satiques dans le pays, ça, mon Dieu, souvent dit, est-ce que Haïti a pris vos côtés, bagaille la pral en main pour lui? Pour qui ça, bagaille la pral mélangé comme ça? Et qui ça, chaque grain haïtien qui a fait pour empêcher bagaille la fini? Dans le niveau ça. Tout petit coin, toutes ces classes à parler. Et Kounyan, c'est tout pas chef bandit ça qui c'est Chris là. Et en pile, moun connaît monsieur, c'est chef base Nèg Tiboyo. Et bien, monsieur, comme quoi, mesdames, messieurs, c'est une Nèg. Certaines personnalités ou bien certains moun comprennent que Chris là pas ta supposé un bandit pour gens que monsieur assez souvent li prend pour le fond bain de conscience pour chaque grand haïtien. Qui ça pral passer? Qui ça pral poser problème? Vin bon détail. Oui, si Chris là c'est une équipe de Gensam Namel, ça l'a dit, yo te ka permettre que nous prenons plus que l'évangile. Mais c'est comme quoi, au monde qui l'église, la prêchons bagay, et puis la posons l'autre réaction. Chris là a pris la mouye pour la vie en chair, pour j'en mouye pas qu'à manger pour nous là, pour j'en bagay la difficile. Et bien, mesdames, messieurs, dans le même moment, Chris là arrive dans une situation, la fè moun yo paye rançon devant. Et yo paye rançon, chaque petit bus qui passe obligé de payer une quantité comme. Et machine privée même, pas passé ça qui est un an. Et si yon a le forcé passer, je vous garantis, situation pral compliquée pour lui. Voyez sa langue, même pral laisse autant d'elle quand même. Ma petite autant d'elle, et moi-même n'en fais, ma font des trois commentaires avec nous même. Mais moi vinn découvrir l'autre qualité qu'a écrit cela. Monsieur qu'a prêché l'évangile. Monsieur qu'a pasteur. Monsieur qu'a tout bagaille parce que un pasteur besoin ça. Faut qu'on capable convaincre. Et heureusement, citoyen ça, l'aime fin tandil et sous ce matin la gueule moi moins avant de partager, m'tande me réfléchir, me dit waouh. Si Christ là t'a décidé de déposer ça mais appliquer ça le dio. Bagala ta belle. En tête de Chris là et puis mesdames, messieurs, m'a venu tout de suite après. En pile commentaire. Cher président Jovenel, un an, un mois de l'assassinat là qu'a lâchement. Je te dis, c'est président Jovenel qui problème là. Je te dis, depuis le président Jovenel allé, il y a basse sécurité. Je te dis, président Jovenel, pas qu'à faire rien au pays, il y a même mieux qu'à faire. Je dis à tout le monde constater, le pays a 24 fois plus mal. Le pays a gagné plus d'insécurité, plus de kidnapping. Et je te dis que c'est Jovenel qui n'est pas bon. Je dis à un monde presque payé. Un grain de dollar pour 150 gouttes. Un grain de dollar américain égal à 150 gouttes. Monsieur, nous connons ça, ça veut dire, on gagne dollar égal à 150 gouttes dans le pays. Ça dit presque 2700 dollars. Galon l'huile tête nègre. Ça veut dire un pep, monsieur. Nous pour pep, nous mettons dans la misère noire, monsieur. Prisonnier pas qu'à je ne mange. Mon en dans prison, mourir pour soin, mourir pour manger, monsieur. Et puis nous dit nous avons l'État, nous avons le gouvernement, nous avons le premier ministre, nous avons tout le bagage. Et puis nous prenons le pouvoir, nous séparer tant qu'on gâteau chaque monde prend participer. Peuple ici, maintenant de nous, est-ce que nous préférons vivre dans l'État ça, mourir dans l'État ça, au lieu de nous camper, nous lever camper, nous défendre droit nous?
Peuple ici, est-ce que nous pas penser pour petit nous qui derrière? Est-ce que nous voulons petit nous venir passer même misère ça n'a passé là aujourd'hui à là? Pour qui ça nous pas lever camper révolter? Pour qui ça tout pays a pas camper? Au caille est en fait. Pour qui ça nous tout côté pas copier au caille nous lever camper nous bataille pour Haïti? Je dis à l'élitant pour moun, militant pour peuple là après l'an moué de un paquet nèg qui te sous pouvoir, un paquet nèg qui sous pouvoir qui pas fan yin. Je dis à l'élitant pour nous goumer, pour tête nous, pour nous goumer pour petit nous yo de, pour nous goumer pour reste moun yo, pour nous goumer pour nous vivre tant que moun. Je dis à l'élitant pour nous goumer pour nous goumer bon l'état dans le pays ya. Pour nous goûter, pour nous goûter bon justice dans le pays. Pour nous, depuis 20-30 ans, qui a gaspillé comme le pays, qui a volé comme le pays, puis au juger. Je demande mon Dieu, un jour, pour nous l'étendre dans le pays, pour nous justice dans le pays, nous qui fait 30 ans, 40 ans, 20 ans, a volé comme pays a faut qu'yo jige faut qu'yo bay tout comme ça yo faut qu'yo prend prison mais espérer ça peuple haïtien nous pas qu'arrêter à souffrir encore nous pas qu'arrêter à garder encore non pays état ça non pays ou pas qu'à manger ou pas qu'à dormir insécurité y a kidnapper et puis tout gon bon on certain des nèg qui fait partie pour voir ça qu'a bien vivre monsieur nèg yo acheté kay dans tout pays petit yo dans tout pays a petit Dieu nous même nous pas ka joindre l'école nous pas ka joindre loisir nous pas ka joindre sécurité qui sens ça gagne peuple haïtien qui sens ça gagne nous pas lever camper c'est l'attendre peuple haïtien regrouper nous pour lever camper. Ça n'a pas. Pour qui ça? Ça veut dire petit nous fait pour aller vivre, même jeune nous vivre là, puis mal toujours. Ça veut dire nous croyons, le fait si nous sommes à Saint-Domingue, dans Chili, et Bolivie, Mexique, nous croyons dans ça? Pas de aucun pays, ou à plus bien que Haïti, pays où? Tout pays où est bien vivre, c'est parce que peuple est gourmé. Avec l'État pour changer le pays, monsieur. Peuple haïtien, nous besoin conscience. Nous besoin changer mentalité, nous. Nous besoin goumer pour nous gon bon l'État. Nous besoin goumer pour nous gon bon justice. Faut nèg sa yo, jodi a, k'a gaspiller l'argent pays a, k'a voler l'argent pays a, k'a fait zak dans pays a, faut qu'yo jige. Parce que nèg yo prend l'argent pays ya, y a gaspillé l'anti zami, y a le chan motel, ati fi, ati garçon, puis yo gaspillé comme pays ya. Gen nèg la ki sou ki l'on poste li pa jamais entré dans poste là. Li loué hôtel grand nèg yo y a fait comme à comme pays ya. Monsieur li pa bon. Peuple ici li pa bon. Nous devons lever campé pour nous défendre pays nous. Pour nous défendre tête nous. Haïti pas qu'à sous l'ordre pays étranger. L'île est le temps pour nous décider à propre tête nous. Les États-Unis, Canada, la France, qu'on groupe pas qu'à bas nous l'ordre. C'est nous-mêmes qui nous prenons pays nous en main. Peuple haïtien, levez campé. Pas gagné rien pour nous tenir encore, levez campé. Tout pays a levé campé, tout peuple en parler. On parle, on oublie tout ça passé pour nous lever campé. Nous avons un pays pour nous sauver. Pas de monde qui vient sauver Haïti pour nous. Monsieur le président Jovenel, un an, un mois de vous assassiner là qu'à lâchement. Je te dis, c'est le président Jovenel qui problème là. Je te dis, depuis le président Jovenel aller, il y a basse sécurité. Je te dis, président Jovenel pas qu'à faire rien pour payer ou même le café. Je dis à tout le monde constater, pays a 24 fois plus mal.
pays a gagné plus insécurité, plus kidnapping. Et vous te dit c'est Jovenel qui pas bon. Je dis à un monde presque payé un grain de dollar pour 150 gouttes. Un grain de dollar américain égal à 150 gouttes. Monsieur, nous connaissons ça, ça veut dire un grain de dollar égal à 150 gouttes dans le pays. Ça dit presque 2700 dollars. Galon l'huile tête nègre. Ça veut dire un pep, monsieur. Nous pour un pep, nous mettons dans la misère noire, monsieur. Prisonnier pas qu'à je ne mange. Nous dans la prison, nous pour soin, nous pour manger, monsieur. Et puis nous dit nous avons l'État, nous avons le gouvernement, nous avons le premier ministre, nous avons tout le bagage. Et puis nous prenons pouvoir, nous séparer tant qu'on gâteau chaque monde prend participal. Peuple ici, maintenant de nous, est-ce que nous préférons vivre dans l'État ça, mourir dans l'État ça, au lieu de nous camper, nous lever camper, nous défendre droit nous? Peuple ici, est-ce que nous pas penser pour petit nous qui derrière? Est-ce que nous voulons petit nous venir passer même misère ça n'a passé là aujourd'hui à là? Pour qui ça nous pas lever camper révolter? Pour qui ça tout pays a pas camper? Au caï qui est en fait? Pour qui ça nous tout côté pas copier au caï nous lever camper nous bataille pour Haïti? Je dis à lui, il est temps pour moun, militant, pour peuple là, après là, mouede, on paquet nèg qui te sous pouvoir, on paquet nèg qui sous pouvoir, qui pas fan yin. Je dis à lui, il est temps pour nous goumer, pour tête nous, pour nous goumer, pour petit nous yo de, pour nous goumer, pour reste moun yo, pour nous goumer, pour nous vivre tant que moun. Je dis à lui, il est temps pour nous goumer, pour nous bon l'état dans le pays là. Pour nous goûter, pour nous goûter bonne justice dans le pays. Pour nèg depuis 20-30 ans, qui a gaspillé comme le pays, qui a volé comme le pays, puis au juger. Je demande mon Dieu, un jour, pour qu'on l'état dans le pays, pour qu'on justice dans le pays, nèg qui fait 30 ans, 40 ans, 20 ans, a volé comme pays, a faut qu'yo jige. Faut qu'yo bay tout comme ça, yo faut qu'yo prend prison. Mais espérer ça. Peuple haïtien, nous pas qu'arrêter à souffrir encore. Nous pas qu'arrêter à garder encore. Non pays état ça. Non pays ou pas qu'à manger, ou pas qu'à dormir, insécurité, y a kidnapper ou. Et puis tout gond gon on certain des nèg qui fait partie pour voir ça ka bien vivre monsieur nèg yo acheter cale dans tout pays petit yo dans tout pays a petit Dieu nous même nous pas ka joindre l'école nous pas ka joindre loisir nous pas ka joindre sécurité qui sens ça gagne peuple haïtien qui sens ça gagne nous pas lever camper c'est l'attendre c'est l'attendre peuple haïtien regrouper nous pour nous lever camper. Ça n'a pas. Pour qui ça? Ça veut dire petit nous fait pour vivre, même jeune nous vivre là, puis mal toujours. Ça veut dire nous croyons le fait si nous sommes à Saint-Domingue, dans Chili, et Bolivie, Mexique, nous croyons dans ça? Pas de aucun pays ou a plus bien que Haïti, pays où? Tout pays où est a bien vivre, c'est parce que le peuple est gourmé. Avec l'État pour changer le pays, monsieur. Peuple haïtien, nous avons besoin de conscience. Nous avons besoin de changer la mentalité. Nous avons besoin de goûter pour nous avoir un bon l'État. Nous avons besoin de goûter pour nous avoir une bonne justice. Faut que ça yo, jodi a, qui a gaspillé l'argent pays, qui a volé l'argent pays, qui a fait zakan dans le pays, faut que vous jugez. Parce que nèg yo pren l'argent pays ya, y a gaspillé l'antizami, y a le chambre hôtel, atifi, atigasso,
puis on gaspille comme pays là des nègres là qui sous qui l'ont poste n'est pas jamais entré dans poste là li loué hôtel grand nèg yo a fait comme à comme pays là monsieur li pas bon peuple haïtien li pas bon nous devons lever camper pour nous défendre pays nous pour nous défendre tête nous Haïti pas ca sous l'ordre pays étranger. L'il est temps pour nous décider à propre tête nous. Les États-Unis, Canada, la France, qu'on goûte pas qu'à ba nous l'ordre. C'est nous-mêmes qui nous prenons pays nous en main. Mais bah ici, levez campé. Pas de rien pour nous tenir encore, levez campé. Christophe décide de camper en The Plaiding. Je dis tête li, il y a des bagailles qu'il choisit. Il y a des bagailles qu'il n'est pas d'accord pour le faire. Mais mes frères et sœurs, amis, chers compatriotes, pays d'Haïti, assez souvent, le cadeau est que son pays côté bagaille pas totalement allé très très bien. Puisque l'on entendait plusieurs petits nègres dans la zone Zahar qui prend le soin, assez souvent, qu'à bailler des détails de ça, vous comprenez, ça, vous t'as souhaité, vous t'as senti. C'est comme quoi, les pays ont pris aller sur un chemin de malédiction. Chaque jour pi plus qui s'acrivé Christ là qui chita col mesdames messieurs dans entrée Fontamara plusieurs autres zones surtout en entrée sud de pays d'Haïti en général qui pas qu'à traverser entre Matissan et Pluto mesdames messieurs et bien me se dit faut qu'on lever camper que t'as pour fait lui même li senti le t'a prendre âme li senti le t'a fait causer et il senti le t'a délivré peuple là. Elle sentit li frustré parce que bagala compliqué. On ti question d'abord c'est cela. Qui sac la cause mesdames messieurs? Qui sac la cause mesdames messieurs? Mes frères et sœurs amis, zone ça li pas une zone qui est accessible. Et me décrit Haïti comme une zone puisque ça va constater l'autre côté assez souvent elle pas paraît dans zone. Ou bien son wè kap mal fonctionner dans l'autre zone, li pas obligé, même j'en dans zone pauvre. Mes frères et sœurs, si Haïti pas yon couloir, pas ton tien droit, on dit zone, y a des bagay nou te ka toujours wè chez les voisins. Y a des ka constate, y a des ka di, nou ta supposé aider, mesdames, messieurs, quelques tribus d'Afrique pour yon sorti dans l'esclavage psychologique que yon yé et permettre que yon avance dans le siècle ça. Mais le fait que bagala compliqué, le fait que bagala mélangé, il vient ban nous ça n'a pas gardé là. Et résultat par l'autre qui ça. Mouel, nous comprenons ni et nous d'accord. Mesdames messieurs, nous a toujours dit Christ là mes frères et sœurs sont bandits. Ils sont chefs de bande. Et Jean-Pierre Mountakadil, c'est un criminel notoire. Son nèg qui choisit parmi toute bagaille qui gagne dans pays pour le faire, il choisit que mes âmes plutôt. Il choisit faire l'obéi plutôt. Mais qui ça peut arriver, qui ça peut le permettre que c'est comme ça bagaille la passer. Mesdames messieurs, le citoyen ça a parlé à bon évangile là au senti Monsieur Tagon, volonté pour permettre que le pays avance. Mais je vais quelques faits qui la cause que monsieur opposé de ça l'a dit. Prenons par exemple, mesdames, messieurs, l'un où nous sorti Jacques Mel, où il y a plusieurs espaces pour passer, des points fixes. Et parmi les points fixes, mesdames, messieurs, Christ là pour qu'il y ait trois points fixes. Il y a trois côtés, et bien, mesdames, messieurs, il est toujours passé. Toujours des rançons qui fait là. Autre chose. Il y a, mesdames, messieurs, plusieurs petits jeunes qui ont fait des nègres qui t'a supposé être utile pays, être capable de permettre que pays avance. Mais malheureusement, qui en ce moment, qui n'a même position, mes frères et sœurs, amis, avec Christ là. Et qui n'a pas base Christ là, qui n'a pas coupe Christ là. Situation. Qu'a dépassé tout le monde. Chef bandien a toujours dit ça. Il a toujours une forme pâle.
Mais m'a dit une félicitation parce que yon langage comme ça exprimer que nèg ça on leur si c'est pas loi bon maman ou bien la grande volonté ou bien des situations ou bien la situation précaire d'Haïti, eh bien monsieur t'es capable de l'autre côté. D'ailleurs, c'est souvent quand il parle ou gen prétention que son nèg qui t'a semblé formé. Ou t'a bon idée ou dit tout semble nèg qui légèrement formé. Ou bien nèg qui une compréhension qui est formé. Mais au fait, il pral paraître comme monde qui pas formé parce qu'il campé. Qui ça que la cause, j'en ai parole ça aussi pas dans bouche plusieurs haïtiens qui savent qui est sorti. Qui ça que la cause, mesdames Yola, dans Port-au-Prince, Pétionville, Jacques, Delma, Pétionville, et Route Frère, la Tibonite, hein, c'est Calassous, on paquet de côté. Qui ça que la cause? C'est des nègres concernés qui disent parole ça. Qui ça que la cause? C'est des nègres ainsi qui prend le soin pour expliquer bagaille ça. Mais, déjà l'autre monde qui a discuté ça. Et il y a l'autre monde. Ça fait plus mal. Parce que les gens qui ont le bus ici qui a marché. Qui ça cause si ma chaîne qui a acheté Cresson bien cher? Si ma chaîne qui n'est pas capable de passer sous Matissan parce qu'il est bloqué. Qui ça empêche que nous levions camper? M'vle mande nous, ça passé qui cause que nous voulons nous pas qualifier camper? Qui ça empêche que nous bataillons? Yon dollar, mesdames, messieurs, égale à 150 gouttes, m'a fait attention. Et avant décembre, selon exercice de simulation que m'fait, la presque 200 gouttes. Et m'di ça, m'a dit ça pour faire qu'il y ait 5 sautés. Bon, même son monde travaille en dollars, l'eau à l'acheter, ou acheter un goutte. Ou te mettre des $400 dans mon. Hein? $400 dans mon, à peu près, m'gwe, on va faire le presque 8000 combien, ou 9000 combien dollars. Plus que ça. Mais je vais pas acheter. La passer non seconde. Si ça dure, mesdames, messieurs, $700. Galon l'huile là, dans le moment où on a parlé, là, $150. Yon beurs. Si boîte de beurre, qu'on vend $20, qu'on y a le vend $35. C'est une situation. C'est une situation que Haïti pas de jamais connaît dans la ville. Qui c'est que la cause? C'est bandit, à examen. Cap réfléchi pour nous. Just quoi que son moyen, c'est une bagaille qui montre que logiquement, nous pas gagné valeur dans la société. Il faut que nous sachions pas mieux l'autre que des Haïtiens et qui j'en ont regardé aujourd'hui. Il y a des gens qui font affaire aux droites, il y a des gens qui trempent dans des bagailles illicites tout et qui n'est pas normal. Et moi, je pour parler à problème ça, c'est rendre ce produit à disponible en quantité pour compagnie pétrolière faire compétition, j'ai été contre là. Et en termes de volume qu'il y a par mois, et à ce moment-là, le problème a disparu de par lui-même. Il est disponible jeudi à même. Bon, et on retourné vers la même situation, ok? Et pas oublier que c'est vrai remarquer les produits, ça a son produit que nous pas fait, nous importer. Et politique, gouvernement, c'est subventionnel. Okay? Bon, à chaque fois que vous subventionnez, il y a des corps qui sont obligés de bailler, ils partent toujours bailler à temps. Et nous attendons le président APP à l'autre jour qui a parlé. Effectivement, nous avons un problème de devise, mais il y a des jeunes corps pour commander gaz à tout. Et ça va nous rendre ça beaucoup plus difficile. Et il y a un dollar qui fait que nous comptons tout. C'est-à-dire que à chaque fois que ça arrive, il fait que nous avons une situation beaucoup encore plus difficile parce que nous besoin et produire carrément sur la survie de parce que tout là fait que nous n'avons pas des situations. Et c'est là que nous vivons aujourd'hui. Mais et ça différent aujourd'hui actuellement, là, pendant ma parole là, c'est que nous connaissons toujours des ruptures de stock, et, mais nous toujours compter sur le prochain arrivage. Et aujourd'hui, on a pour observer, pas de déclaration qui annonce vraiment
malgré que nous voyons comme si il y a un pile compagnie qui accepte, parce qu'il y a plusieurs pétroliers là qui déjà sec, pas rien à la caillou du tout. Mais ce qui est une réelle nous disons, c'est que sans nous pas rien mais à l'armée personne, pour ce bateau, nous pas attendre. Possibilité dans le jour qui venir là, même jeune bonne bajon ni à terre même, si pas une prochaine commande. Bon, c'est souci ça que nous gagnons. Et j'aime bien qu'il n'y ait pas d'armée personne. Par contre, c'est une information qui donne dans les coulisses. Mais à tout ça, et que ça nous fait comme travail, pour nous chercher information, nous ne pouvons pas vraiment gagner car ils raison qui est en vue. Qui est-ce que nous allons faire confiance là? Parce que l'État, à travers le ministère des Affaires, le ministère du Commerce, toujours dit pas gagner vraiment on rareté. Gaz, ouais, et souvent tout bas, et quand c'était gaz qui gagnait, qui déplaçait, qui sortit camion, qui sortit vareux pour prendre direction pompe, mais qu'on a assez l'heure, il vient dans pompe là ou pas, well. Donc, qu'on a, est-ce que effectivement, on rate gaz sous marché, hein, ou bien gaz là, à le stocker dans l'autre espace? Parce que marché, bon. C'était fermé là, puis réjouissant. Oui. Bon, et nous, dans le capital, là, par exemple, dans le capital, ok? Nous voyons dans quelles conditions que le gaz va distribuer dans le pompe. Par exemple, l'on station camion rivé, son station, et ce n'est pas de gaieté de cœur que les propriétaires de station sont livrés gaz. Malgré toute initiative qu'on va prendre, mettons-y de l'autre, par les motos lignes, les véhicules lignes, mon agarre de côté, et façon pour être capable de collecter les lits, bon, ils ont créé des zones là, ok? Qui viennent faire que, malgré que, orientation ministère commerce c'est interdit vente dans galon mais il est presque impossible pour le niveau de désordre qui que mon galon particulièrement crié en bas de plan et vous obligez à un moment de la durée céder. Ok, moi pense totalement et dit que tout gaz qui sortit dans le terminal là aller sous bol la rue en fonction en complicité avec les propriétaires de station. Bon, c'est ça, c'est pas une information qui est totalement vraie. Parce que le niveau de désordre que nous avons créé, je dis à nous des acheteurs professionnels, parce que ça m'observe moi-même. C'est que il y a des gens, c'est eux-mêmes qui font achat même, achat nous venir, je dis mon chef Bayo, et puis il y a rien dans le bas de plan. Et il y a une stratégie Bayo, et c'est à travers des autres là que je fais ça. Mais il y a un bon plan. Mais c'est eux-mêmes qui créent toutes les autres, toutes les poumées, hein, qui fait que l'approvisionnement et stage ne sont pas qu'à faire normalement. Et l'autre situation que nous jouons, et en dernière approche, nous recevons information. Dans la ville professionnelle, quand pile effectivement, quand pile des autres, et ce n'est pas la même situation, hein, et dans Port-au-Prince par rapport à la ville de province. Province a moins de contrôle, et de fait, nous disons que dans pile des autres dans la ville de province, là c'est encore le rôle de l'État pour assurer que, et à travers l'autorité locale, pour assurer que bah, ça ne va pas continuer. Mais comme on dit nous, et pour parler à problème, non, c'est rendre le produit disponible en quantité suffisante dans des conditions il y a 5 ans, 6 ans de ça, et à ce moment après le problème disparaît de par lui-même. Monsieur Derifos, je pense que le problème gaz là, ou bien acheter gaz dans galon, les volontaires, parce que les pompes de plein gré ont décidé de pas vendre dans galon. Le ça, ils fait machine pour en ligne, toute machine en ligne, un par un, une par une machine rentrée, ils fait gaz et puis ils ont allé. Parce que bon, moun, mais c'est volontaire, ils ont venu, ou bien quand ils font leur, ou moun nan vini avec un gros drum, dans un pick-up, li plein et puis l'aller. Bon, et tout le monde dans la ville là, nous observons de yeux par nous, qui gens que station de gaz, avec qui difficulté gagne. Et là où le monde n'a pas galon, il n'est pas venu comme si avec un tout paix pour le gaz. C'est des autres là le créer, c'est une capacité pour sécurité contrôlée, pour contrôler, il vient pour faire des autres là. Et finalement, même par l'autre choix est cédé pour qu'on ait un récipient que le gagne. Et c'est comme ça que ça fait chaque jour, et nous observons, et nous avons pile rapport pour les des stations. Lorsque la police prend coup de main, bon, bah, la vie est en c'est le ça que les dérapages ont fait pour jouer et tout ça, tu as tout m'aider.
et sans vivre en pile difficulté que nous avons traversé cette crise là. Secteur syndical là indexé nous-mêmes qui surtout un peu propriétaire pompier qui c'est nous-mêmes comme quoi qui t'a créé rentrer en façon monde capable inciter l'État ou bien forcer l'État à monter prix gaz là. Bon, écoutez, moi j'ai besoin d'un acteur, m'a réagi à partir d'un acteur qui commence à la parler. Le secteur syndical là pas dans domaine là pas un protagoniste vraiment. Ou la dit ça fait ça pas fait, ok, parce que mais pour me répondre rapidement avec ça dit le gaz monte ça fait on va obligé chercher plus moyen pour faire commande là et en pile fois c'est même marge de profit et encore moins et ça nous est observé dernier hausse de prix, ok, c'est à dire que le par exemple on propre de station ou des bons fonds de roulement de 3 millions de gouttes 4 millions de gouttes par exemple, gaz monté près de 100%, Bobijal des 500-600 millions de gouttes, sont institutions financières que l'ALDL n'a mené, qui viennent gagner des charges financières, qui n'ont pas d'avantage du tout pour gagner souvent. Si on prend, si on roule avec même fonds, si on prend un camion de 10 000, ou une région un camion de 4 000, 5 000, ok, ça n'a pas un géant propriétaire de station du tout. Pour se limiter à plus de travail, plus de difficultés pour faire business. Nous-mêmes, dans l'association, nous ne faisons pas politique. Nous allons droit au but. Nous traversons une crise. Nous pensons que nous nous mettons ensemble comme si pour nous, la meilleure façon, nous voyons que le pays a sorti dans un passe côté de l'île. Ça nous a espéré que nous voyons comment c'est arrivé. Nous voyons que le baril a tendance à faire baisser de temps en temps. En fonction de l'économie mondiale qui a ralenti, nous avons souhaité que les partenaires continuent. Mais affaire de politique, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, nous ne faisons pas observer, ça nous fait jouer un rôle d'observateur de ce qui a passé sur le marché et nous transférons déjà le gueule. Monsieur Derifos, aidez-nous, s'il vous plaît, rappeler auditoire là comment la chaîne a fonctionné. Dans le sens, qui est-ce qui commandait, côté le passé, les distribuer jusqu'à ce que les rejoignent et propriétaires propres pour distribution finale là. Ok. Le secteur a gagné plusieurs acteurs, ok. Il y a un acteur aussi, c'est Terminal, ok, qui normalement est recevoir gaz là, leur que compagnie pétrolière ou que selon ce que vient avec l'État commandé. Et longtemps, actuellement, il n'y a pas un appel d'offres réel qui fait, parce que la situation est tellement corsée, l'État permet chaque compagnie commander. Ok, ils vont commander tout et ensemble, ils font seul bateau ensemble, et pour plusieurs métiers, ils font seul bateau ensemble. Les compagnies pétrolières en ce moment qui a commandé, terminal là recevoir, et c'est à partir de là que le propriétaire de station a commandé la compagnie qui recevoir et pour un bon lit à changer dans le terminal là en bas. Et compagnie chauffeur arrivé sur station, il y a le dépoté, et c'est nous-mêmes qui détaillons normalement qui vendent gaz à consommateur final. Ok. Bon, comme on dit, nous, pour différentes raisons, et au fil des années, il y a différents problèmes. Des fois, c'est problème de sécurité, accès avec terminal là. Des fois, c'est incapacité pour stock arriver à temps. Et comme je dis là, son autre problème, son problème de douleur et de remboursement de subventions et qui permettent que je dis à ne pas bateaux qui en vue. Le problème n'a persisté et c'est pas jeudi à n'a parlé de question de la gaz là ici là dans la radio. Ou se dit ça à l'heure, ou même propriétaire, ou bien nous même propriétaires de station service, nous c'est un acteur dans la chaîne. Est-ce que nous pas avons une volonté bon côté non seulement l'État, mais tout l'autre acteur pour essayer non seulement poser problème, non fixer responsabilité et puis joindre des solutions? Et pour nous carrément, il faut que tout le monde comprenne sa capacité. Et n'a pas son produit, son pays avec situation économique faite, n'a pas son produit. Et ce marché qui va dépendre de nous, qui vont prix beaucoup plus élevé dans le point de vue bas. N'importe quoi, mais si on a fait dans ce sens-là, c'est ça privé. Ou si on bagaille pour 12 gouttes, ou si on vendre à 10 gouttes, à chaque fois où nous restons, on a moins de moyens dans le monde. C'est ça qu'a fait Josia, c'est la politique qui est adoptée pour parler avec la situation de la population. Nous comprenons. Il faut s'y attendre des conséquences par les conséquences, c'est ça qu'on a voulu dire. Et chaque jour qui arrive, moins de moyens, et pas des acteurs, il y a plus de difficultés dans le monde.
yo fè sa, yo travay sou kote fè. Mwen sûr ke yo mèm tout. Yo pa fèl, yo pa, y a pa, y a travay la, se pa de gaieté de cœur. Parce que, compagnie pétrolière a décapitalisé. Propriété de station, qui te gon prévision, le tap bâti station. Et pas jamais qu'à atteindre l'objectif, il a décapitalisé tout. C'est pas ça qui a passé à la parrain, c'est personne de monde. Pour le monde prend plaisir là dans le propre petit que et son bagage pour ok tout ça, parce que c'est un petit peu. Je pense que n'importe propriétaire sachant aujourd'hui, dans la meilleure situation, c'est que les toujours venus produire chaque journée et il y a atteint l'objectif à chaque mois. Mm-hmm. Est-ce que le prix gaz là a toujours été, même prix avareux? Bon, c'est l'État qui fixe le. C'est l'État qui fixe le dans la structure de prière, qui dit mon cher. Tout le monde a acheté et dans tel prix. Tout le monde a acheté dans tel prix. Et mais qui m'a joué le livre de cette station là dans tel prix. Moi-même tenu comme si en tant d'association, et n'a pas su bagarre avec un pile d'attention, il y a une compagnie sur le marché qui a tendance à faire avancer bon là. Et nous l'avons investigué toujours, nous apprenons une bonne compagnie sous béton. Hein? Qui l'a lâché dans mêle, qui veut vendre en plus fort et autre que prix que l'État fixé. Nous pouvons pas besoin de Baïdi, ça peut réciter toujours et au moment opportun, si continue comme ça. Là, on n'a pas les pas nos mamans de procédé comme vous parlez. On n'a pas les qui compagnie, compagnie qui. On compagnie pétrolière sur marché. Ah, ok. C'est eux qui fait comment de gazan? Bon, toute compagnie aujourd'hui, il n'y a pas d'appel d'offres qui lancé. L'État est obligé de permettre tout, chaque monde qui est capable. Dégagez commander pour parler avec la situation que nous y a. Mais d'ordinaire, selon ça, ça supposé, en temps normal, c'est son appel d'offres qui est lancé. Le monde qui est capable d'entrer avec les meilleurs prix et quantité à tout, et puis l'État permet de faire et puis le distribuer, l'État distribuer avec différentes compagnies qui sont sur le marché. Et puis, et c'est comme ça, et c'est toujours fait, mais je dis, avec la précarité gagnée, il y a accès avec toute compagnie qui a commandé. Donc, c'est chaque compagnie l'État perd du contrôle et importation gaz là, c'est ça? C'est chaque compagnie qui est. Nous ne parlons pas du tout. Le gaz arrivé, la douane toujours là dans la réception gaz là. Et de fait, un douanier qui est dans le terminal qui a gardé l'évolution, combien de sauts par jour et combien de côté dans le système. Et chaque fois qu'on monte dit des bagailles, comme si on ne peut pas maîtriser, il y a déjà un petit système là, il y a amené mon vers la révolte. Là, on dit que son bagage qui provoque gaz à stocker en bas dans le terminal là. La douane, toujours, chaque jour, il y a un monde qui l'a depuis le matin jusqu'à la fin. Et l'offre, le stock a fait une sortie qui fait calcul, qui dit non. Mais le stock qui se pose vérité, on ne sait pas. Une dernière question pour M. Delifons, ou même cap dirige un groupe association qui réunit l'ensemble de propriétaires de stations-service à travers le pays, et ou même probablement qui gagne des stations-service tout. Et nous avons aimé ou font commentaire sur Samga l'explique ou là tout à l'heure. Et Lydie Alexandre saute souligné pour vous, il y a des pompes, notamment dans la capitale là, qui décide de dire que ces machines, il y a pas de bail dans le galon, mais comme ça, il y a des pompes. Pour une raison et pour l'autre, on décide de dire c'est dans le galon et à bail. Et nous-mêmes, comme journalistes, n'enquête pas, nous qui s'en rendons compte, son secteur qui est florissant, secteur informel là. C'est-à-dire, propriétaire pour plan fait plus cob dans le vendre gaz dans le secteur informel là que vendre ni dans le secteur formel là que machine de capacité normalement, les prend gaz là. Et dans le même secteur informel, ça, c'est comme si on chaîne. Propriétaire pour plan lui-même, il vend ni avec une série de monde qui ont même acheté en gros par Doom. Par on est gougué tant que la caillou et puis au même il a le distribué par machine dans galon etc. Ou bien qu'on fait dans l'autre niveau tout de connivence avec et pompissio justement avez dit pompissio ballon monnaie on apparaît là plusieurs galons là il plein galon vive et puis l'aller il retourne encore ou même qui dans ligne qui est machine ou presque passer toute journée là ou pas même faire gaz et pour mon galon à passer si à quoi prendre nous compte c'est pompista qui met la velle pour ça fait comme balle l'aller. On commentaire monsieur Delifons. Bon, ça, c'est des bagailles que nous rejoignons par zone. Okay? Par exemple, on est on dit en province, ou pas joindre, toujours joindre comme si une population gagne niveau d'agressivité et de notoriété pour forcer un propriétaire de station bien qu'on puisse faire ça. Mais je dis, il y a des ordres généralisés que chaque jour, chaque coin dans le pays,
c'est un tel qui a commandé, c'est un tel qui a commandé pour ici. Il y a une zone où vraiment, on pas capable de faire rien. Et donc, l'autorité locale est impuissante. C'est nègre qui vient en bas pour prendre tout ça à faire. OK? Ou même si vous avez besoin d'évacuer ce stock-là, pour faire carrément, et presque pour aller le plus rapidement aussi, pour finir avec ce stock-là. Mon exemple, on manque nous. Et monsieur Gossevoix qui a eu par raison. Et puis mon chef de la zone là qui paraît, on n'a pas les chefs là, donc on ne s'en a parlé. Monsieur décidé, c'est lui-même qui a acheté Gaza. Et de fait, monsieur a acheté Gaza dans la station dans le galon, effectivement. Et finalement, il n'a pas jamais payé. Et je dis à la station ça fait, mais nous ne pas là pour nous dire qu'il y a exactement. Mais nous venons un petit rapport comme ça. Comme moi, je dis au début. Il y a des gens qui ont de bonne foi, il y a des gens qui ont de mauvaise foi. Mais sûr, dans le côté nous arrivons avec Visa, il y a pile propriétaire station qui a donné avec des pratiques qui ne sont pas normales, surtout dans la ville de Convention. Mais ce n'est pas un bagage comme si c'est récurrent pour si c'est tout le monde qui la donne. Et à ce moment, je pense que c'est un rôle de l'État pour le servir. Comme je l'ai dit dans le premier temps, tout à interdit de pour la rue, je pense que. Si ça a été empêché vraiment, il a dissuasé mon lieu pour ne pas aller dans la pratique à Sénagaron. Mm-hmm. C'est depuis qui date les consens et que ces compagnies pétrolières qui décidaient eux-mêmes de commander gaz. Bon, mais qui j'en veux dire, l'État en soi pas déjà dans commande gaz. Mais c'est à partir de 2008, nous venons d'entrer dans le Pétro-Caribé. L'État est obligé de construire pour gérer tout le bagage. Il n'y a pas de travail. La compagnie pétrolière gère. C'est à travers BMPAD qui était en charge, non seulement recevoir la liaison et collecter l'argent dans mes compagnies pétrolières. Et puis, toujours rassurer que le stock nécessaire commande. Au fur et à mesure, et Pétro-Caribé vient de produire encore. Nous sommes dans Pétro-Caribé. Et l'État est serré de la donne. Mais c'était toujours le rôle professionnel pétrolier, compagnie pétrolière. D'ailleurs, c'est attribution à ça, et qui permet que pour approvisionner ces marchés. Bon, moi-même, de mon humble avis, je pensais que compagnie pétrolière fait mon meilleur travail. Mais le problème qui arrive aujourd'hui, c'est que c'est un moyen pour que Gaza commande en quantité nécessaire. À travers la politique pour. Salut les moyens, c'est l'argent, c'est le dollar. L'argent, non seulement le dollar, et il n'est pas oublié. Son produit que à chaque fois que vous vendez un galon dans la rue et dans la station, l'État est obligé de mettre un coup de dehors pour permettre que l'État puisse le dire. J'ai tout à l'heure. Non. Est-ce que c'est l'État qui parle de rôle dans CASA ou bien c'est compagnie pétrolière qui parle des moyens pour acheter gaz? Bon. Dans quel niveau l'État pas joué rôle selon vous? Bon, l'État lui-même. Un petit exemple. C'est qu'il y a une altercation au niveau de Cité Soleil, tout secteur commerçant, etc. Et terminant avec tout l'IA, a fermé pendant 2 semaines. La douane fermée, tout le bail fermé pendant 2 bonnes semaines à finir. Et même encore après l'heure, c'est terminant avec tout l'IA, nous réouvrir. La douane est venue en décision réticente pour descendre en bas. Mais c'est côté fonds et bas sorti pour assurer que la subvention continue. Le ça n'allait pas rentrer rien du tout, mais côté fonds et bas sorti. Je ne vais pas faire argument, mais il y a des comportements que les débats qui arrivent dans le pays, il faut s'y attendre à d'autres choses qui vont se produire. C'est-à-dire, je veux dire, là, si par exemple, pas dans les gâteaux, c'est sûr que le là, les préfets, ça peut être un préfet avec combien de moyens. En tout cas. Allô? Oui. Allô, monsieur Derifos? Oui, oui. Je vais poser, monsieur Derifos, une question sur une déclaration que vous faites à l'heure avant, et il y a deux seuls, l'un de vous recevoir pour responder, vous faites parler avec Clavel pour demander ce que c'est vrai, parce que vous dites nos autorités municipales, nous n'avons pas de paix, ensemble avec l'autorité de la justice, vous avez fait causer, vous avez une autorisation pour vendre gaz, pour stocker gaz, etc. Et vous avez une question. Est-ce que Arisman, le magistrat qui. Oui, vous dites que le magistrat même qui baille l'autorisation pour ça. Vous avez dit que vous avez parlé tout ça. Et monsieur Derifos, et vraiment, c'est la dernière question dans le cadre d'entrevue, ça. Et tout à l'heure, je vous dis ou pas au courant que. Et il y a annoncé prochaine commande ou bien prochaine cargaison qui peut venir dans le pays. Par contre, si BM pas de souffle, et le 5 août, il y a publié information ça, les 105 000 barils de gasoline
et de diesel, il est arrivé pour le presse mercredi 3 août là et il était déchargé dans le terminal Tor à Varé et il a annoncé prochaine cargaison pour 11 août. Donc demain. Bon, donc demain si Dieu veut. Vous ne pas au courant que il y a des annonces comme ça. Et nous avons une meilleure proximité et avec compagnie pétrolière dans la question ça parce que je pense que en pile fois que il pouvait en pile fois qu'il y a des déclarations de bail c'est à travers le monde qui a des vrais intérêts là-dedans qui que vous pouvez entendre. Moi même pas essayé d'appuyer sur ça que BM pas particulier pas dit mais essayer de coucher mes beaucoup de compagnie pétrolière moi ce qui sont absolus. Selon ces informations que nous avons proposées, nous n'avons pas eu de prévision réelle. Nous avons souhaité que ça et M. BN pas jeudi, c'est réel, mais c'est le seul souci que nous avons aujourd'hui en fonction de l'évolution du marché. Toute compagnie que nous avons abordée, nous avons dit qu'il n'y a pas gagné. Il faut qu'il y ait exactement, c'est là que nous sommes. Entre temps, si nous avons été arrivés hier et avant-hier, non mais ça veut dire toi août là ou pas au courant que tu as gagné 5000 barils gasoline et diesel qui arrivait Port-au-Prince. Non, pas au courant de ça. Ah. Pas au courant de ça. Ah ben bon. BMPAD et comme déjà il y a Saint-Fleur, nous avons une petite précision dans mes mains parce que là on a parlé avec Marc-André des Rifons et de Anapros qui les mêmes disent pas au courant. Te gagné quantité gaz ça qui débarquait dans le pays. Les droits acteurs importants. Oui, c'est OK. Donc, eh ben merci un peu pour précision. Nous espérons que DGBM pas de la fonte parle avec nous pour capable de bailler des détails. Est-ce que 105 000 barils ça, gasoline et diesel ça a été arrivé sous territoire? Est-ce que prochaine cargaison 11 août, là, donc demain, a toujours arrivé? Merci un peu, Marc-André okay. Derifos. Mais oui, bon, pour moi, avant que nous allions, je ne vais pas démentir le fait. Hein. Il faut que nous, il faut qu'on m'informe davantage. Bon, et ça qui doit échapper, moi. Nous ne pas au courant de les prochaines raisons. Il faut que nous parlions que vous avez compagnie pétrolière. Oui, mais dans cette situation là, si 105 000 barils gasoline et diesel, je ne vais pas préciser en tout cas combien dans chaque, tu es arrivé 3 août, ou tu as supposé au courant quand même. Bon, mais si que c'est pas au courant vraiment, c'est faute pas moi. Mais quand même, c'est il lieu pour vérifier. Pas oublier que il y a deux terminaux, il y a un fonctionnel, il y a un Tor et Vareux. Et nous plus, on accentue nous sur plus Tor et Vareux. Parce que on est Tor lui-même, et desservi on fait quantité de population sud là, et c'est pas de compagnie qui a accès avec lui. Et nous accentuons nous plus. Mais nous avons informé davantage pour nous. En tout cas, il était dit qu'il y a déchargé dans le terminal Tor et Vareux. Les deux à la okay. fois. Oui, non, pardon, parler de ça là. C'est-à-dire, zone sud-là, il y a un problème gaz quand même. Alors que, il n'y a pas gagné même problème qui gagnait en dit Matissan, qui t'a bloqué les passages là. Donc, qui s'est empêché selon vous, zone ça n'a pas alimenté, yo même, vraiment. Bon. Mais pas oublier que. Terminal Tor appartenu avec deux compagnies.